Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette lampe. Il s'agit du modèle Tautronix TT-DL19, donc une lampe de bureau qu'on va pouvoir ouvrir de la façon suivante. On a un premier axe au niveau de l'embase et on a un deuxième axe à ce niveau-là. Donc la lampe au niveau des dimensions, quand elle est ouverte, on est à peu près 42 cm de hauteur. Et sur l'autre axe, on a une longueur de 35 cm. Au niveau de l'embase, son diamètre est de 18 cm à peu près. On a un revêtement type aluminium avec un effet brillant. Et au niveau des axes, c'est en matière plastique de couleur blanche. Le panneau de commande est tactile. Et sous l'embase, on a une sorte de tapis agrippant pour éviter que la lampe ne tombe pendant qu'on l'utilise. Alors, j'ai pu tester il y a très peu de temps un autre modèle proposé par Tautronix, le modèle TT-DL17, qui ressemble fortement à celui-ci, à ceci près que l'embase est rectangulaire, que l'embase sur le modèle DL17 est moins lourd. Donc je la trouve un petit peu moins stable. Et l'autre différence, et la grosse différence selon moi, c'est au niveau des options d'éclairage proposées. Alors je m'explique. On a sur le panneau de contrôle un bouton marche-arrêt. Donc là, je la mets en marche. On peut voir l'éclairage qui se fait donc par cette bande. On voit pas les LED, hein. On a devant, on a un panneau opaque qui empêche de voir les LED à travers. Et sur les options de réglage, on va ici pouvoir changer les tons, donc la température des couleurs. Et ici, sur le bouton de droite, on va pouvoir faire varier l'intensité d'éclairage. Sur le modèle Tautronix TT-DL17, on peut ainsi jouer sur trois modes d'éclairage ou encore trois intensités. Sur le modèle TT-DL19, on a 5 modes de chaque. Donc moi je la trouve plus complète. Là vous êtes sur le premier mode au niveau des tons. On est sur un ton blanc type froid. Si j'appuie à plusieurs reprises, on va aller vers des tons qui vont aller du plus froid au plus chaud. Donc je vous montre. En espérant que ça puisse ressortir quand même suffisamment sur la vidéo. Une première pression. Une deuxième pression. Troisième pression. Là, on se rend compte qu'on est sur des tons de couleurs qui sont quand même, qui tendent quand même vers le chaud. Et quatrième pression. Donc là, on a vraiment un blanc chaud. Si je fais varier l'intensité d'éclairage, une première pression va diminuer légèrement l'intensité, deuxième elle est encore plus faible, et ainsi de suite, troisième, quatrième, et là bon, la lampe éclaire très faiblement, donc ça peut être pas mal pour un éclairage de type lumière de chevet, voilà. Et un nouvel appui va à nouveau passer à l'éclairage d'intensité maximale. Et on peut faire varier ces intensités pour chacun des tons de couleurs sélectionnés. Donc là, je suis revenu sur le blanc froid et on peut changer l'intensité lumineuse. Voilà. Donc moi, cette lampe, si je dois la comparer ou choisir entre celle-ci et le modèle TT-DL17, j'aurais tendance à choisir celle-ci parce que je trouve le pied plus stable et je la trouve plus complète au niveau des options. Après, à l'arrière, elle a une fiche USB comme sur le modèle DL17, à ceci près que celle-ci a un ampérage, une intensité de 1 ampère, et sur l'autre modèle, on a 2 ampères en sortie. On n'a pas tout à fait les mêmes degrés d'ouverture au niveau des axes. Celle-là s'ouvre plus que le modèle DL17 sur l'embase. Par contre, elle va s'ouvrir moins sur le deuxième axe. On ne va pas pouvoir l'ouvrir à 180 degrés comme on peut le faire avec l'autre. Voilà, je pense avoir fait le tour du produit. La seule chose qui manque pour moi à cette lampe, à la limite, ça serait de pouvoir pivoter
l'axe supérieur pour pouvoir l'orienter vers soi à 45 degrés ou dans l'autre sens. Voilà, ça donnerait une marge de manœuvre encore plus importante à cette lampe. Sinon, pour moi, c'est un produit de bonne qualité. J'apprécie le fait de pouvoir avoir une commande tactile et les différentes options qui sont proposées par le produit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.